Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soiscool Mec et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 à propos des personnages du DLC 3 à débloquer. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter comment débloquer la mort, donc le personnage la mort que vous voyez là, que je vais vous montrer un petit peu mieux. Donc dans le soldat, voilà, il a une petite cape, c'est une femme, elle est assez stylée, ça va. Elle vient de Russie à mon avis, hein, vu son bonnet quoi. Donc voilà. Alors, pour débloquer ce personnage, vous allez devoir faire 5 défis. Donc les 5 défis, je vais vous les citer, puis après je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus en détail pour vous aider. Alors, le premier défi, c'est tout simplement de vous évader de la map sans acheter de blitz, donc sans acheter d'atouts. Donc tout simplement faire la quête principale et pas le secret, ok? Vous faites la quête principale sans utiliser d'atout et vous débloquerez le défi. Alors, le deuxième défi, c'est de s'évader sans ouvrir de largage de ravitaillement BAT. Donc là, il suffit juste de faire la quête principale sans utiliser les largages de ravitaillement qui arrivent à la manche. 4, 7 et 9. Et 10. Et 9. Voilà, fin de la 9 à la 10, quoi, c'est pareil. Donc voilà, faut pas les utiliser et faut s'évader de la map, juste faire la quête principale, pas le secret. Troisième objectif, c'est terminer. Alors ça, c'est l'objectif qui m'a cassé le plus la tête parce qu'en fait, il y a deux façons de le faire et je ne suis même pas sûr qu'il y a vraiment deux façons. Mais sur le site que je suis en train de lire, ils disent qu'il y a deux façons de le faire. Alors soit vous terminez l'objectif de protection sans subir de dégâts, donc sans aucun dégât pour vous, hein, sur vous. Donc vous ne devez pas vous manger une baffe. J'ai essayé de le faire, mais le problème c'est que le défi il ne vient pas tout le temps. Donc il faut recommencer à chaque fois les parties, il faut essayer plusieurs fois et ça m'a trop pris la tête. Alors je me suis dit que ce serait beaucoup plus facile de faire la deuxième option qui est de simplement protéger l'objectif à protéger sans utiliser une seule balle en mode hardcore. Donc il faut le mettre en mode hardcore, donc faut prendre la balle, la petite tête rouge et puis quand vous avez l'objectif de défendre l'objectif, ben, tout simplement, et vous, ben, là vous utilisez des singes et vous n'utilisez aucune balle. Donc comme un peu dans le premier tuto que je vous ai montré, de toute façon je vais vous montrer comment j'ai fait dans ce tuto là. Mais j'ai bien galéré, celui-là c'est celui qui m'a fait le plus galérer. Alors ensuite, le quatrième défi, c'est de récupérer le pommeau de Barberousse sans ouvrir le largage de ravitaillement. Donc là il va falloir faire le secret sans ouvrir les largages de ravitaillement. Donc c'est faisable, hein, c'est facile, nous on a fait les deux à la fois, on a fait... évadez-vous de la map sans ouvrir de largage de ravitaillement et on a récupéré le pommeau de Barberousse sans ouvrir de largage de ravitaillement. Mais pendant qu'on faisait ça, on utilisait des atouts. Donc on a fait que deux défis en un. Mais voilà, c'est réalisable. Si vous le faites à 4, c'est encore plus facile. Ou même en solo ou à 2, franchement, c'est pas encore trop difficile ce défi. Et le dernier défi qui est de vaincre le boss en moins de 30 secondes qui est totalement faux. Ce n'est pas vaincre le boss en moins de 30 secondes. C'est sur le site qu'ils disent ça mais ils sont complètement bourrés, qu'est-ce que je raconte. Donc là, le défi, le cinquième défi, c'est de faire la map, donc s'échapper de la map en moins de 15 minutes. Alors, je tiens à préciser que je l'ai fait à 4, il nous a fallu 17 minutes, donc on était 2 minutes en retard, et ce n'est pas de s'évader de la map, c'est vaincre le boss en 15 minutes, hein. Ce n'est pas s'évader de la map, c'est vaincre le boss en 15 minutes. Et on a mis 17 minutes pour vaincre le boss. Alors, faut savoir que à 4, c'est quasi... C'est pas impossible, mais c'est quasi impossible. C'est très difficile. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en solo. Je l'ai fait en solo, j'ai essayé une fois. J'ai réussi à le faire en solo du premier coup. J'ai mis 14 minutes et 30 secondes. Et j'aurais pu aller plus vite, hein. Il y a des trucs que j'ai un peu foiré. J'ai pas utilisé mon spécialiste ou quoi. Voilà, j'ai hésité, j'ai perdu un peu de temps. J'ai même pas fait le pack-a-punch à la manche 7. J'ai fait le pack-a-punch à la manche 8. Et j'ai galéré à la manche 7 pour passer la manche. Parce qu'il y avait plein de zombies battus. Donc franchement, il y a moyen de le faire encore plus rapidement que 14-30. c'est totalement réalisable, mais il faut le faire en solo. Je vous conseille de le faire en solo, ou peut-être à deux si vraiment vous n'y arrivez pas en solo. Donc voilà, là on a fini l'étape des poissons. On n'a bien sûr pas récupéré les largages de ravitaillement. Là je vous montre pour le défi 2 et le défi 4. On récupère le pommeau de Barberousse. Donc si vous pouvez prendre l'épée, prenez l'épée, comme ça vous échangez pas vos singes. Et regardez, défi accompli. Donc là, on a fait le 4e défi qui est de récupérer le pommeau de Barberousse sans ouvrir de largage de ravitaillement BAT. Et là, comme je vous l'ai dit pour le premier personnage, en fait, ce n'est pas de s'évader de la map sans ouvrir de largage de ravitaillement, donc la caisse qui est verte, là, juste que vous voyez. C'est pas s'échapper de la map, mais c'est de tuer le boss sans prendre de largage de ravitaillement. En fait, sur le site, ils mettent évadez-vous de la map, mais en fait, c'est tuer le boss de la map sans ravitaillement. Donc là, parce que vous avez bien vu, on est manche 10, on a fini le boss, on a obtenu le défi, mais on ne s'est pas évadé de la map. Donc là, on pourrait carrément quitter si on voudrait. Donc ça, c'est pour le défi numéro 2. Donc on a fait 2 défis en un. Regardez, on a tous les atouts, hein, parce qu'on a fait le secret et tout. Mais voilà, on a fait 2 défis en un. On a fait le défi 2 et le défi 4. Alors là, on fait le défi 1. Regardez, en bas à gauche, on n'a aucun atout. On va s'évader de la map sans défi. Sans atout plutôt, et ça va nous débloquer le défi numéro 1. Alors, tuer le boss en moins de 15 minutes, comme je vous l'ai dit, je vous le conseille en solo. Vous prenez la classe choc, tir rapide, enfin feu à volonté comme j'ai. Alors, vous pouvez mettre les modes que vous voyez en bas à droite, donc MK2, spécialiste et bordel de nouilles. Et franchement, équipez-vous de tous les atouts, faites ça super rapidement. Et vous allez voir que là, je vais débloquer le succès, donc le 5e défi, qui est de tuer le boss en moins de 15 minutes. J'ai mis 14 minutes 30 secondes. Je l'ai fait dans le live. Je vous mettrai le live en fin de vidéo si jamais ça vous intéresse de le voir. Alors, pour le défi numéro 3, qui est de terminer l'objectif de protection sans utiliser votre arme en mode hardcore, ce défi est très difficile et très chiant. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire pour que vous y arrivez du premier coup et pas recommencer 10 000 fois. Parce qu'en fait, par exemple, vous allez lancer une partie, vous allez avoir 3 défis. C'est possible que dans les 3 défis, vous n'ayez pas l'objectif à protéger. Alors première chose, écoutez bien, vous prenez la tête de mort. Ensuite, quand vous avez la tête de mort, vous allez pas protéger des objectifs, rien du tout. Hein. Vous faites pas le pack à punch, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été jusqu'à la vague 6. Et à la vague 6, si l'objectif n'était pas de défendre, de protéger le truc à protéger, l'objectif, eh ben je recommençais jusqu'à temps que ça le soit. Alors, j'ai dû recommencer blindé de fois. Alors, quand vous allez recommencer et que vous allez tomber dessus, soyez prêts. Parce que si vous n'êtes pas prêt, bah, vous allez devoir recommencer et recommencer jusqu'à temps d'avoir encore cet objectif qui est vraiment casse-couille à avoir. Enfin bref. Donc, ce que vous faites, c'est un maximum de points. Quand vous avez fait un maximum de points à la fin de la manche 1, vous faites des boîtes pour avoir les singes le plus rapidement possible. Alors, vous n'utilisez pas vos singes quand vous avez dépassé la manche 3. Vous pouvez bien sûr prendre les largages de ravitaillement. Vous prenez tous les atouts que vous pouvez. Vous mettez feu à volonté MK2. Vous n'hésitez pas à utiliser MK2 quand vous sentez que c'est le bon moment. Donc, à la manche 3, essayez de l'avoir pour tuer les mushters s'il y en a. Et essayez de l'avoir à la manche 5. Comme ça, vous allez pouvoir tuer les Wustlings assez rapidement. Parce que moi, je faisais des parties. À chaque fois que je recommençais, ça me prenait entre 9 et 10 minutes. Parfois 8 minutes si j'étais assez rapide. En utilisant MK2 et tout pour aller jusqu'à la manche 6. Et voir si le défi était bien de protéger l'objectif. Alors là, ben, tout simplement, cette partie, c'est la bonne. Regardez, je vais juste avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode hardcore, vous pouvez voir en haut à gauche, il y a une tête de mort. Ça, c'est pour vous dire que vous êtes bien en mode hardcore. Le mode hardcore... c'est pas plus difficile. Les zombies courent aussi vite que s'ils étaient à la manche 20, ok, on est d'accord, mais ils n'ont pas plus de puissance. Donc s'ils vous frappent une fois, ils vous frappent une fois. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus résistants et ils sont plus nerveux. Ils sont nerveux dès la manche 1, quoi, tu vois. Ils sont pas lents, quoi. Alors regardez, là je suis à la manche 3, j'utilise mon feu à volonté et je défonce les mushlers. Et là regardez, j'apprête déjà mon singe pour lancer mon singe et attirer tous les zombies. Donc là, alléluia, j'ai bien l'objectif à défendre. Donc, je vais à l'opposé de la map et je lance un singe. Après, si vous n'avez pas de munitions max, moi, je vous conseille quand même d'avoir au moins un minimum de 1 munition max et d'un cœur. Ça pourra vous aider. Si vous n'avez pas de consommable, vous allez devoir galérer un peu plus. Mais c'est réalisable quand même sans consommable. Vous lancez un singe. Regardez, vous lancez un singe. Voilà, ils sont là. Moi, je vais en lancer un deuxième, un troisième. C'est déjà mon deuxième que j'ai lancé. Je vais en lancer un troisième et je vais mettre des munitions max et j'en aurai encore 3 nouveaux. Pourquoi je fais ça? Parce que bah, moi, j'ai un consommable, donc je suis safe. Par contre, vous, ce que vous faites, c'est que vous tournez en rond. Vous essayez de tourner en rond et de tuer aucun zombie pour pas qu'il réapparaisse sur l'objectif. Si l'objectif se prend quelques dégâts, ce n'est pas grave. Il faut surtout ne pas tirer de balles avec votre arme. Et sinon c'est assez facile. Il suffit juste d'amener tous les zombies d'un côté, de l'autre côté que l'objectif, et aucun zombie n'ira sur l'objectif. Ils iront tous sur vous. Il faut juste essayer de survivre pendant 1 minute 30. Donc vous avez 3 singes pour essayer de survivre pendant 1 minute 30. Donc moi j'en ai eu 6 parce que j'avais des munitions. Mais voilà, c'est quand même réalisable. Alors je vous conseille fortement de le faire en solo parce qu'on n'a jamais réussi à le faire en plusieurs. Donc ce que je pense, c'est que le site nous induit un peu en erreur. Et en fait, il faut faire ce défi en mode solo. Donc c'est genre terminer l'objectif de protection en mode hardcore sans utiliser d'armes en solo. Ok? Voilà, c'est à peu près ça la réelle phrase du truc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Soiscool Mec et ciao. Peace.